les chiables, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 20 de mon Let's Play sur Star Wars Knights of the Old Republic. L'épisode 20, j'ai bien dit. Oui, j'ai bien dit l'épisode 20. Alors, je vous avais dit que je vous avancerais un petit peu sur là où on était rendu, parce que la dernière fois on avait éloigné le grand Fixaran pour choper la carte stellaire, et on s'était laissé à côté des dieux scientifiques, et je vous avais dit qu'on s'avancerait parce que de faire ici à là, c'est juste hyper, hyper, hyper long. Parce que vous pouvez voir la vitesse à laquelle on avance. Du coup, j'ai fait ça hors caméra parce que ça allait me saouler. Et je vous ai laissé juste devant la pressure d'or, où normalement, j'ai bien dit normalement, on allait retrouver nos copains. Où on allait retrouver notre équipe. Alors, on va faire un petit débriefing juste avant. Pour ceux qui commencent à suivre mon let's play que seulement maintenant, je veux dire. Parce que j'ai toujours ces petits pics de live. Non, ça va. Je lag un petit peu quand je marche. Non, ça va, pas trop. Un petit débriefing, alors. Sur mon let's play, j'ai pas passé de niveau jusqu'au level 20. Qu'est-ce que je raconte? J'ai pas passé mes niveaux jusqu'à ce que je vois Jedi. Pour une fois avoir plein de pouvoirs en apprenant robustesse, pour pas avoir trop non plus passé de points de vie. Donc me voilà là, level combien? Level 14 ou 15? Non, level 16, excusez-moi, avec une masse de pouvoir assez impressionnante. Et donc là, on a fini la planète Taris, Dantooine, Tatooine, Kashyyyk, et on va pouvoir s'enfuir de Manaran, donc on l'a a priori fini. Donc sur la map, je sais plus où est-ce qu'il faut aller. On va aller par la droite, ça a l'air plus rapide. Enfin non, c'est surtout le seul chemin pour entrer. Et donc voilà. Oui, j'ai fini toutes ces planètes, et nous voilà sur Manaran, et on va pouvoir s'enfuir sur Corellon sans aucun problème. Alors, on va voir où c'est. Ça doit être par là, normalement. C'est pas par là. Y'a quoi ici? Est-ce que j'ai pris ça? J'ai pas l'impression. Oh, si, j'ai pris. Oulala, je. Parkinson Maggot. Ou non. Alzheimer Maggot, excusez-moi, je confonds toujours les deux. Et donc voilà, on va pouvoir rentrer sans aucun problème. Quel est ce bug? Ici. Ah non. Non, il n'y a pas de bug. Donc voilà, on va pouvoir repartir tranquillement. Voilà, on était déjà allé par là. Est-ce qu'on avait tout pris ici? On va pouvoir partir de maintenant. Mais où est-ce qu'ils sont? Est-ce que je rêve ou j'ai été mode solo? Oh. Non. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont là-bas, ils sont buggés comme d'habitude. On va aller les chercher. Est-ce qu'elle me suit, elle? Ah non, je croyais que j'avais activé le mode solo. Donc là, ça fait... On n'arrête pas d'avancer dans le vide, alors on va se dépêcher de sortir de cette fichue base sous-marine pour pouvoir donner les informations au chef de la République et s'enfuir. Allons-y directement. Quoi? Oh merde. Ah merde, Mais alors je sais pas si vous vous rappelez de lui. Avant on avait comme ça, comme par hasard, Kalonor, un chasseur de primes qui nous avait chopé d'un coup comme ça, un peu à la surprise. Et on l'avait battu, et donc Malak n'était pas content, le Seigneur Noir. Et du coup là il a voulu envoyer son propre apprenti, mais ça fait quoi? Ça fait longtemps qu'on a eu cette cinématique comme quoi il viendrait nous chercher, et je pensais que c'était sur Corriban qu'il viendrait essayer de nous tuer. En fait, c'était sur Manaran. Et on va dire que j'ai pas vraiment la bonne composition pour le battre et que je vais prendre cher. Oh merde. Là, j'ai fait un peu le BG, je dis, vous êtes l'apprenti de Malak? On peut pas dire que je suis impressionné. Alors là, oh non, je vais douiller. Oh merde, on va faire un sauvegarde. Je m'y attendais pas du tout, parce qu'habituellement il venait sur Corriban, donc j'avais complètement zappé ça. Donc là, on va essayer de... est-ce qu'on focus d'abord les autres, j'imagine. Ça va être chaud avec mission, ça va être chaud du slip. Non, toi tu vas faire kill. Hein? Attends, vous déconnez là? Ou elle, avec son tir de maître, elle lui a fait perdre tous ses points de vie? Mais elle est trop puissante! Oh non, pas ça! Oh non, c'est la misère!
Mais ils sont... Et par contre, mais ils sont vraiment très nuls, les Jedi. Oh non, ils... J'ai aucune résistance à la force, il me met trop cher. Il me met trop cher. Ah. Attends. Bon, voilà, les deux sont morts. Là, par contre, c'est l'heure de la vengeance. Alors, déjà, toi, tu vas le focusser avec ça. Toi, avec ton tir, sniper de mettre. Et toi, tu vas commencer par faire un soin. Après, on va essayer de lui mettre des sorts. Avec un peu de chance, il y en a bien qui vont marcher. Donc non, en fait, il résiste à tout, c'est ça son problème. Oh, mais il est trop fort. Il résiste à tout. Qu'est-ce que tu fais, toi? Il résiste à tout, c'est incroyable, il est trop bon. Toi, tu vas te back un peu. Tu vas mettre un handicap amélioré. Voilà, maintenant tu vas repartir. Attends, on va essayer de te mettre un autre sort. Donc, vous pouvez voir qu'il est vraiment très puissant. Et que je pense que c'est le... C'est le meilleur boss... Oh non, champ de mort. Oh non, 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 ça va pas être possible. Vous voyez ce sort qu'il a fait? C'est le sort où on draine les points de vie, sauf que ça s'est amélioré et ça fait sur toutes les personnes. Et qu'est-ce que ça nous met cher? Non, faut qu'il arrête. Ah non, 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 il est trop bon, il est trop bon, il est trop bon. C'est impossible. Il est trop fort, ce... C'est l'apprenti de Dark Mala qui est vraiment trop fort. Allez, on va essayer de l'avoir. C'est vraiment Zalbar qui lui met les dégâts, là. Vous voyez ça? Ah, le coup critique a été efficace. Allez, allez, on tue, allez. Allez, on est presque, il n'en fait pas champ de mort. Oui! On l'a eu. On l'a eu. Dark Bendon. 3000 crédits, double sabre laser. Et son armure, qu'on va pas mettre parce qu'elle est dégueulasse. Ah, c'était intense ce combat. Il était fort cet apprenti de Dark Malak, ce boss, on va dire, en quelque sorte. J'ai eu du mal, hein, j'ai eu du mal. Il a dû tuer le mec qui attendait ici. Qu'est-ce qu'il était puissant. On va être obligé de faire un sauvegarde parce que là... Ah, mais qu'est-ce qu'il était fort. Ah, j'ai eu les boules, là. Donc là, on va revenir à la truc. Surtout qu'il m'a pris par surprise, parce qu'habituellement, je croyais qu'il venait sur Corriban. Donc là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout là? Ah, là, on retourne à la base de la République et on va leur dire qu'il faut qu'ils envoient une patrouille de recherche immédiatement pour sauver les scientifiques. Ah! Alors, est-ce que vous avez trouvé ce qui se passe en bas? Les Selkas sont complètement fous. Ils ont tué presque tout le monde dans la station. Et les mercenaires qu'on a envoyés autre part, ils sont tous morts, c'est horrible. Pourquoi ils sont devenus tous fous? Et là, je crois que c'est leur construction à eux, ils ont réveillé quelque chose. Ah oui, voilà, quelque chose a été réveillé par nos machines. Il a été réveillé par le colto et là, je dis que c'est un géant fixaran requin qui a rendu tous les Selkas fous, donc le fixaran qu'on a éloigné. C'est horrible. Donc là, il me demande s'il y a encore des survivants. Je dis qu'il y a quelques scientifiques qui sont encore vivants. Ah oui, mais qu'est-ce qu'il est... Ça, c'est bien à apprendre, mais qu'est-ce qui s'est passé de la machine? La machine a été détruite. Freddy. Non, non, c'est horrible. On a perdu des années de boulot. Ça peut nous faire perdre la guerre contre les sites. Et il fait, oh, est-ce que vous avez trouvé la Starbump? Parce que c'est comme ça, c'est ça qu'on cherchait à la base. Oui, je l'ai trouvé. Et vous voyez, en nous aidant, vous aidez vous-même. Point d'expérience 900. Alors ça c'est sympa. On a gagné 750 avec Dark Bendon, 900. Il passe bientôt à niveau, les autres. Donc là, c'est l'heure de partir pour Corriban, la planète des Sith, où il y a sans doute la dernière carte stellaire. Donc, encore une cinématique, c'est pas possible, là. Qu'est-ce qui se passe encore? Oh non, pas encore un procès, non! C'est pas possible!
Arrêtez-vous, humain. Oui. Ah oui, on a entendu des détonations qui venaient de la de sous-marine. Venez avec nous, vous devez nous apporter des réponses à ce que vous avez fait en bas ou on vous emmènera de force. J'imagine que c'est encore un procès. Non, ça me saoule. Oh, ils sont chiants, les Selkas. Alors, je vais essayer de les persuader avec la force. Rien n'est arrivé en bas. On va dire, à The Reef, ça doit être à peu près dans le sol en bas, là où il y a tout le sable. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. J'essaie de les persuader avec la force que rien n'est arrivé. Ah non. Ça ne marche pas. Ah merde. Oh non. Alors, par nos crimes sur Manaon et Selkas, on est banni pour toujours de cette planète. Sinon, on est mort. Je dis qu'ils peuvent pas faire ça. Sérieusement? Ils m'ont éjecté. Oh, vous me direz. Ça me fait revenir au vaisseau comme ça. Ça m'est jamais arrivé. J'aurais pas dû essayer de les persuader avec la force parce que ça a pas du tout marché. Qu'est-ce qui se passe encore? J'en ai marre. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, notre passagère clandestine est partie. Elle est partie? Bon, voilà. On va aller voir dans notre journal quand même. Ouf, c'est même pas là. Donc là, vraiment, j'ai eu pas de chance aujourd'hui. Déjà, je tombe sur Malak par hasard. J'ai eu du mal à le battre parce qu'il avait champ de mort. Après, on apprend que... Bon, c'est une bonne nouvelle quand même, la République était fière de nous. Mais les Selkas, j'ai essayé de les persuader que rien ne s'est passé en bas. Alors que j'aurais dû dire que c'était vrai, qu'il y a eu une explosion. Du coup, ils m'ont banni à vie de leur truc. Sinon, si je reviendrais, ils me tueraient. Et vous savez quoi? On va essayer de faire quelque chose de fun. On va sortir du vaisseau. Et on va voir ce qu'ils vont nous faire si j'essaye d'entrer. Juste pour voir. J'ai envie... Au pire, on rechargera la carte. J'ai envie de voir ce qu'ils vont nous faire si jamais on essaye. Allez, on prend une Bastille à Icarus. Allez, hop. On va voir ce qu'ils vont nous faire. Ah non, on n'a plus le droit d'entrer, c'est ça. On n'a plus le droit d'entrer. C'est vache, quand même. Ils veulent plus qu'on en... Bon, bah, c'est pas grave, on va partir sur Manaon, mais... C'était un début d'épisode plein de surprises et bah ça fait du bien pour l'épisode 20, ça change un petit peu, hein, parce que ça fait 2 fois 10. Quel magnifique calcul. Je sais. Alors partons tout de suite sur... Non, ça c'est Tatooine. Dans Twin, Kashyyyk, Corriban, là voilà. Chum. Fuyons de cette planète qui nous a banni à vie. Merci Manaon. Et en fait, j'aurais pas dû essayer de les persuader avec la force. Vous savez, dans les films, parfois, ils font les petits mouvements de main et ils disent... il faut de la persuasion. Souvent, ça marche, mais là... Sauf dans le 1, vous me direz, quand le gars essaye de décharger une pièce. Parce qu'ils sont bloqués sur Tatooine à cause de leur vaisseau et je sais plus si c'est Obi-Wan ou Koji, je sais plus quoi, qui essaie de le persuader, mais ça ne marche pas. Enfin bref, ouais, on va arrêter les petits calculs. Enfin... Et donc bah, la force c'est quand on fait le petit mouvement de main et souvent ça marche mais là ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui se passe? Ah non. Qu'est-ce qui se passe? Alors, donc il y a un vaisseau
il y a un vaisseau de Sith qui nous a arrêtés, ils nous attendaient sur la route et on est attirés par leur rayon. Et là, il demande, vous reconnaissez le vaisseau? C'est le vaisseau de mon ancien mentor, l'amiral Karat, je crois. Car l'amiral Karat était avant tout un soldat républicain, mais il s'est retourné avec les Sith quand il a vu que les Sith commençaient à gagner. Maintenant, c'est l'amiral. Donc là, on voit qu'on est attiré dans un vaisseau. Et ça aussi, je peux vous dire, j'avais oublié. Encore une surprise. Donc on va pas pouvoir aller sur Corriban si tôt en fait, parce que Corriban, ça va attendre un petit peu. Amiral Karat m'a appris tout ce qu'il fallait pour que je devienne un soldat. Ça a été vraiment un bon mentor. Ça a été une légende chez les républicains. Mais quand les Sith ont attaqué son vieux ah comment ça s'appelle sa vieille planète non, son vieux vaisseau, celui de l'amiral Karat, sa famille a été morte et le Karat s'est rebellé. En gros, bah, Karat l'a trahi et a laissé sa famille mourir. Ne faisait pas des choses que vous allez regretter, car je ne ferai rien de stupide, je ne sacrifierai pas nos vies pour des questions de vengeance. Mais si j'ai une chance de tuer Saul dans notre escape, je le ferai. Donc là, ils vont encore s'engueuler. Donc, ne vous inquiétez pas, je peux m'échapper des gardes de Saul Karat. Mais il dit que l'amiral va nous regarder tous les trois trop. Il va nous garder tous les trois. Il va nous surveiller, nous trois, parce qu'on est les principales. Donc il va falloir qu'on trouve quelqu'un pour nous aider. Donc là, on a tous les membres de notre groupe. Donc on va choisir lesquels vont nous aider à sortir. Parce qu'eux, ils vont nous garder tous les trois pour nous interroger, on suppose. Et il en faudra un qui nous aide à sortir. Et moi, je pense que c'est Jolly. Parce qu'il a, beaucoup de pouvoir dans la force. Donc je fais OK, Jolly. L'avenir de notre crew, c'est de notre groupe, est dans vos mains. Donc là, attention, ils nous emmènent dans leur vaisseau. Donc là, on est entré dans leur vaisseau. Ouais, j'avais encore oublié ça là. Ils ont tous été pris prisonniers, ils sont tous emprisonnés comme vous avez demandé. Ah oui, là, je dis, on a trouvé une vieille personne, il faudrait qu'on prenne à part pour lui parler, donc c'est Jolly. En fait, Jolly les a persuadés lui qu'il fallait qu'il reste, qu'il ne soit pas avec les autres emprisonnés. Ils sont persuadés. Donc en fait, ils vont garder Jolly à côté. Donc là, c'est nous trois, donc Kars, Bastila et moi, et Karat. Karat, oui, l'amiral Karat qui arrive. C'est chaud à traduire, hein. Je vous dis. Ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé, mais je vous reconnais, Saul. Je vois votre tête chaque nuit en me promettant que je vous tuerai un jour. Il a dit, vous avez appris rien quand j'étais votre mentor. Dans la guerre, même les innocents doivent mourir, comme votre famille. Ma femme est morte dans cet assaut et je vous promets que je vous tuerai pour ça. Donc, car c'est vraiment soif de vengeance. On ne servira jamais Malak et le pouvoir du côté obscur. Les sites vont être détruits, Admiral Karat. Vos mots sont braves, Bastila, mais le Dark Side, l'attraction du côté obscur est dure à résister, enfin, quelque sorte comme ça. Vous gâchez votre temps, Saul. Jamais je ne trahirai le Jedi. En gros, là, il dit qu'il pourra les tuer, mais non, il va attendre Malak qui va venir parce qu'il a plein de questions à nous poser. Il parle de l'histoire. De quoi vous parlez? Ah, vous savez, non, ça ne peut pas être vrai. Vous ne savez vraiment pas qu'est-ce qui se passe ici, vous? Bon, bah, on va laisser Malak le plaisir de vous le dire.
Donc là, ils vont nous dire qu'ils vont nous torturer pour qu'on dise tout sur les Jedi. Donc là, il dit, mais Malak arrive dans un petit moment, donc on a le temps. Et là, il dit, activer les torture files, donc c'est les machines de torture. Donc on a mal, hein, vous pouvez voir qu'on a mal. Donc là, il dit, ne gaspillez pas votre salive, Saul, nous ne dirons rien. Là, il dit, je suis sûr que vous ne direz rien, Bastila. Par contre, la loyauté de vos amis n'ont pas été prouvées qu'elles étaient très bien. Enfin, voilà. Là, il dit, ma loyauté est aussi bien que celle de Bastila. Là, il dit, c'est bien. Aujourd'hui, on va tester votre loyauté, alors. Allez. Alors, donc il va nous poser des questions et à chaque fois qu'on refusera, Bastila va souffrir. Et là, il dit, ne la blessez pas, s'il vous plaît. Là, il dit, ma souffrance n'est rien, ne lui dites rien. En fait, Bastila, ça la dérange pas de souffrir, enfin, elle a mal quand même, mais elle veut surtout que nous, on dise rien. Là, il demande où est la Jedi Academy, où on a été entraîné. Là, je vais mentir. Alderaan, il sonne Alderaan. Non, là, il dit non, Alderaan, ce n'est rien qu'une planète d'artisans et de philosophes. Donc là, vu que j'ai menti, bah, Bastila est souffre. Cette première question était un test. Malak savait que l'académie était en Dantooine. Ah oui! Dantooine. Ah oui, maintenant il dit Malak savait que c'était en Dantooine l'académie. Et Dantooine, maintenant on n'est plus que des ruines. Il reste plus rien, plus que des ruines. Et les. Enfin, non, en gros, il insinue qu'il a détruit Dantooine, qu'il a détruit l'académie. On s'est entraîné tous nos maîtres. J'ai oublié comment il s'appelait, vous rappelez, du petit, là, du grand, du Twi'lek. Donc c'est vraiment un connard. Voilà. Désolé pour le mot, mais ça fallait que ça sorte. Donc. La vie que vous allez payer pour ce crime, Saul, vous et tous les sites. Donc en gros, ils ont tout détruit dans Twin, ils ont tout massacré la Jedi Academy. Maintenant, dites-moi votre mission. On a été envoyé pour assassiner Lord Malak. Donc j'ai menti. Donc là, il croit pas à nos persuasions et à nos mensonges. Vous me prenez pour un idiot. Les Jedi ne sont pas des assassins. Donc là. Donc en gros, là, Bastila est en train de se faire torturer parce qu'on dit de la merde. Mais elle nous a dit de rien dire et de la laisser se faire torturer. What did the mission? Donc là, il nous demande pourquoi la Jedi Council vous a envoyé. Donc là, je peux dire qu'on cherche la Starforge. Donc la Starforge, en fait, c'est. En gros, on cherche les star maps, les cartes stellaires, et toutes les cartes stellaires nous amènera à la forge stellaire. Donc, on cherche la forge stellaire. Je vais pas dire ça parce que j'ai promis que je dirais rien. Et là, Jix, je vais dire plutôt je ne trahirai jamais la République. Peut-être qu'il vous faut une autre leçon. Donc, là, il continue à torturer Bastila. Je suis surprise qu'elle n'est pas encore morte. Je vois que je suis en train de perdre mon temps ici. Malak va arriver dans pas très longtemps et il va faire une vraie interrogation. Donc là, il nous a tous torturés sauf Bastila. Parce que là, elle est déjà complètement shootée. N'essaie pas de bouger trop rapidement. Il nous a dit qu'en fait, les gardes de la République, les Sith avaient continué à me torturer plus que eux. Donc là, je veux faire un peu le chien chez blablabla. Vous n'êtes jamais fatigué de dire ces choses. Donc là, j'ai une petite phrase philosophique. On l'a dit, j'en ai marre. D'abord, ils ont détruit Taris, puis Dantooine, ils en ont pas marre et tout.
Peut-être qu'Admiral Caral était en train de mentir. J'aimerais croire que Saul nous a menti, mais je ne crois pas qu'il nous a menti. Ah voilà, Vrook Vandarzar est fait. J'espère vraiment que quelques maîtres Jedi ont réussi à s'échapper. Vrook Vandarzar, ça c'est les maîtres Jedi. J'ai que maintenant où est-ce qu'il est son karat? Donc là, il a dit que Lord Malak arrivait, il doit préparer son arrivée. Je suis désolée, Bastila, mais vous regardez Sofiane me faisait vraiment de mal. Bon, vous allez finir vos blabla. Voilà, donc là, il dit j'espère que Jolie réussira. Garde, j'ai besoin de parler avec vous. Qu'est-ce que vous voulez, vieille personne? Là, il dit l'air est irrespirable. Mes vieux os ont du mal ici. Là, il dit vous devez me laisser partir. Il a fait le petit geste de la main. Là, il dit la même chose. Il dit je vais vous laisser sortir. En gros, bon, vous imaginez la scène. Donc, il sort. Là, il dit vous n'aurez pas dû me laisser sortir, Sonny. C'était pas bien. Amiral Caral ne serait vraiment pas content. C'est pas bien. Et là, il dit ouais, c'est vrai que c'est pas bien. Vous devez aller dans la cellule et y rester. Oui, je dois aller dans la cellule parce que j'ai désobéi aux ordres. Et comme un con, il y va. On réactive la cellule. Et voilà. Et là. Donc là, il est vraiment vénère. Il dit ouais, je vais vous tuer si je peux. Au revoir. Oh, un niveau. Chouette. Qu'est-ce qu'on va lui apprendre? Trait injury. Powers, on va lui apprendre. Papara. Je lui apprendrai bien absorption de vie. Et lancer le sabre laser amélioré. Encore un don. Là, je vais lui mettre. Je mettrai bien guérison parce qu'il y en a. L'amélioration de soins en quelque sorte. Donc là, on va pouvoir reprendre après cette petite pause de blabla et de torture. Allons tuer ces gardes. Alors, on va lui faire un petit sort. Voilà, parce que vu qu'avec. On a que les points pour attaquer, c'est un peu chiant. Ça prend vraiment de temps à tuer des gens. Regardez, ils ont des armes, on n'en a pas. On va refaire kill. Voilà. Parce que là, on fait attaque en puissance, mais si vous voulez, c'est donner un petit coup de pied qui fait 2 de dégâts. J'aimerais bien qu'il nous donne sa double lame, ce serait cool. Allez, pitié, sa double lame. Oh non, s'il nous a donné de la merde. Enfin, non, quelque chose d'utile, mais. Donc là, on a les équipements de base. On va pouvoir s'en équiper. Ouais, enfin, vraiment de base. Hein. Voilà, on va mettre la grosse épée et on va pouvoir détruire cette petite boîte pour pouvoir récupérer ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Des cartes de Pazak, génial! Et je pense que ce qu'on va mettre, c'est qu'on va mettre ça, on va mettre une petite épée et une autre petite épée. Comme ça, on a bien le swag avec 2 mini-épées. Et on va pouvoir leur mettre cher. Ouh là 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 là! Comment je suis chaussée faire ça? Ah, ok. Comment je suis censée faire ça? Comme ça. En fait, ils sont vraiment trop nuls. Ah bah non. Ça, par contre, cette attaque, elle a un peu du mal. J'ai que ça. Ah, j'ai que ça en attaque, c'est la misère. Pourquoi j'ai appris ça? Regardez, je fais que la rater. Non, mais on va voir si à un moment, je vais la mettre quand même, parce que... Non, bon, ça sert à rien, je la... Bon, allez, je suis partie sur attaquer, ça va nous faire un petit duel. Assez gentil, regardez. Les duels comme ça, attaquer, c'est vraiment sympa, ça fait vraiment... Mais je sais pas pourquoi j'y arrive pas à la base. Y'a que la force qui lui fait mal, donc on va lui faire ça. Parce que ça commence à me saouler. Voilà. C'est fini les bêtises.
Voilà, on récupère ce qu'il y a là. Comme ça, on a pas mal de trucs. Là, c'est bien, on a pas mal d'équipements, on va pouvoir aller récupérer les autres. Je pense qu'une fois qu'on aura récupéré les autres, est-ce qu'on s'arrête là? J'ai aucune idée du temps, ça va quand même bientôt faire une demi-heure. Hein. Et d'un côté, je vous dis, j'ai envie de continuer parce que cet endroit est vraiment bien. Allez, je me demande s'il y a des trucs utiles par là. Je crois qu'on peut lui parler. Vous n'êtes pas un site. Aidez-moi en sortant de cette cellule et je vous aide. Je vais voir ce que je peux faire. Bon. Je sais pas si ça peut se casser, ça. Je pense pas, on va essayer deux ou trois fois. Ah, si, ça peut se casser. Bon, on va attendre. Ouais, bon, ça avance à peu près vite. Donc voilà, j'ai aucune idée du temps que ça fait que j'ai tourné cet épisode, sachant que... Je faisais mes petits calculs, parce que ce matin... Ouais. Parce qu'à l'heure où je tourne, on est mercredi matin. Parce que ce matin, j'ai pas cours. Voilà, j'ai pas cours à cause d'absence de prof. Deux absences de prof, du coup, j'ai pu rester chez moi ce matin, sachant que j'ai commencé à tourner vers 10h. Et que ça n'a pas encore sonné. Non, ça, je crois pas que ça fait une demi-heure qu'on tourne encore. D'après mes calculs, parce que j'habite à côté de l'église et que je peux entendre les cloches sonner quand ça fait la demi-heure pour l'heure. Enfin voilà, je vous raconte toute ma vie. C'est génial. En attendant, on a presque fini. On va pouvoir aller libérer les autres. Tenez, voici un icebreaker. Je crois que c'est pour un truc pour craquer les ordinateurs en quelque sorte. Bon, merci, mais bon, on s'en fiche un peu quoi. Ça peut toujours nous être utile quand même. On va aller ici voir ce qu'il y a. Est-ce qu'ils sont aussi bons eux? Ah non, déjà eux ça passe plus facilement les attaques. Ouh, stylé ça. Ça c'est de la vraie baston, vous pouvez voir. Ah c'est bien stylé avec les deux petites épées là. Ah ça c'était stylé, j'aime bien les petites bastons comme ça là. Quand il se met à prendre l'épée, quand on part les coups automatiquement. Ça c'est de la vraie épée, pas avec les attaques améliorées où on saute partout, on fait des déluges de coups. Ça fait plus de dégâts les attaques améliorées, les déluges de coups. Mais ça reste vraiment bien. Par contre on va se mettre un petit médicament parce que quand même, mine de rien... Merde, j'ai claqué un médicap amélioré. J'aurais peut-être pas dû. Vous me direz, on n'est pas à ça près. Je crois que c'est plutôt par là. Oh, je sais plus. Je sais plus par où c'est, mais on va. Je crois que par ici, c'est l'ascenseur. Parce que bien sûr, j'ai déjà fait ça. Ouais, elevator, ça sert à rien qu'on aille là pour l'instant. Donc, en fait, j'ai déjà fait le jeu, mais pas jusque. Une fois qu'on aura dépassé Grégoire, j'aurais jamais allé plus loin en fait. J'aurais jamais fini le jeu parce que ça buguait à un certain moment. Et donc voilà. Et donc ça j'ai déjà fait mais j'ai complètement oublié que c'était maintenant que ça arrivait. Allez hop. Voilà, c'est plus simple comme ça. Donc si vous voulez savoir, je vous ai dit où ça buguait avant quand j'avais le jeu. Ça buguait quand je descendais de Manaan en fait. Je sais pas si vous voyez quand on descend dans la base sous-marine. Et ben moi le chargement buguait pas donc bien sûr je pouvais pas avoir la star map. Et s'il y avait une star map qui me manquait bah ça bloquait tout le jeu en quelque sorte. Donc c'est pour ça que maintenant bah, ça bug plus. Parce que le chargement, j'ai dû me procurer le jeu. Et maintenant, eh bien, bah, ce chargement bug pas, je vais pouvoir finir le jeu avec vous dans ce let's play, car je ne l'ai jamais fini. Donc ça va être plein de surprises la fin. Une fois qu'on a dépassé Corriban, je ne saurais pas du tout ce qu'il faut faire. Donc là, ça va être assez chaud. Donc là, on récupère plein de trucs. Je crois que c'est par là, est-ce qu'on a fait. Voilà, donc là ça va être la fin, je pense qu'on va les trouver par là. Detention area, ouais, je crois que c'est par là qu'ils sont. Ici, c'est pas là. C'est ici. Ah oui, c'est locké, je crois qu'il faut. Ah oui, tout à l'heure on a unlock. Voilà, c'est un truc très simple, il fallait ouvrir les portes. Bravo Julie, je savais qu'on pouvait compter chez vous. Là ils disent faut qu'on se dépêche sinon Malak arrive, je n'ai pas peur de Malak. Vous êtes idiots. On a besoin d'un plan. Voilà donc là on a
Là, j'ai passé, excusez-moi, mais j'en ai un peu marre du blabla. On a fait un, ils ont fait un petit plan, donc on va être tous les trois. Ça fait longtemps qu'on sera pas tous les trois. Et cette équipe va faire bien mal, là, si mes souvenirs sont bons. On va pouvoir s'équiper tranquillou. Ça m'énerve d'avoir cette sensation de petit lag quand je bouge. C'est pas un gros problème, mais j'ai l'impression que j'avais pas ça avant. Et ça m'énerve un petit peu. Donc là, on peut voir, là, ici, il y a tous nos items qu'on avait. Donc on les récupère tous. Ça m'étonne peut-être parce que. Non, pourtant mon ordi il est pas plein, je bouge pas trop. Enfin bref. Power. Qu'est-ce qu'on va lui mettre? Eh bien, qu'est-ce qu'on va lui mettre? On va lui apprendre du pouvoir du côté obscur. On va lui apprendre ça. Voilà, ça c'est pour enlever un peu les. Par exemple, je sais pas si vous avez vu que Dark Bandon, ce qu'il a fait, c'est qu'il est. Au pire, lui, il a plein de niveaux à passer. Dark Bandon, ce qu'il a. Oups, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il a fait, Dark Bandon, déjà? Il avait un pouvoir qui a fait qu'il est devenu bleu à un certain moment. En fait, c'est une résistance spéciale à la force. Ce qui fait que tous mes pouvoirs sur lui ne marchaient pas. Donc il faut vraiment que j'apprenne ce pouvoir le plus rapidement possible à mon. À mon. Principal à mon héros principal pour qu'il résiste au pouvoir de la force parce que dès qu'il m'a fait un sort genre insanité ou étouffement ou mise à mort, ça c'est quand on étouffe, je suis direct, je suis presque, bah, qu'est-ce que je dis? Je me suis pris les pouvoirs dans la tronche quoi. Et c'est bien que ça n'arrive pas quand j'ai recroisé Malak, quand j'ai croisé un autre Jedi très puissant, parce que Malak, on va, j'imagine qu'on va le croiser dans le jeu, hein, parce que même si je l'ai pas fini, je pense bien qu'il va y avoir un combat final contre lui, c'est un peu obligé. C'est même complètement obligé, donc là je passe tous ces niveaux, c'est pas très intéressant. Je vais apprendre toutes les attaques qui sont assez efficaces. Voilà. Allez hop, je pense que le bruit de la souris doit être assez ennuyant, c'est, doit être assez énervant. Donc j'apprends robustesse pour qu'il ait pas mal de points de vie. Oups. Voilà, je pense que c'était le dernier. Maintenant on va l'équiper. Curse Blaster et Heavy Blaster. Est-ce qu'on n'a pas quelque chose de mieux? Alors. Ouh, ça déjà c'est mieux. Non, ça c'est mieux. On va garder ça, c'est mieux. On va l'équiper comme ça. On va lui mettre une ceinture un peu plus efficace quand même. On va lui mettre un gant, des gants de force. Et voilà, il est bien équipé. Nous, on va nous mettre aussi une ceinture. Voilà, comme ça. On va nous remettre un sabre laser double avec lequel on fait beaucoup de dégâts. Des trucs Eriadou. Notre robe Jedi. Et ça va être bon. Bah, si là, on va lui mettre la truc de Bradjit. Les gants de Bradjit. Et voilà. Nous sommes équipés pour continuer l'aventure. Et là, je pense que même Cars, on va lui mettre une armure qui pète bien. Genre l'armure mandalorienne. Je pense que ça va être stylé. Alors, soit on lui met l'armure de Mandalore. Oh, qu'est-ce qu'il est stylé! Regardez-moi ça. Ou alors l'armure de Kalonor. Kalonor, le. Donc on a aussi celle de Davix, mais elle est moche. Encore plus de swag. On va partir sur l'armure de Kalonor. Peut-être qu'on changera. Et qu'on lui mettra celle de. Et qu'on lui mettra. Qu'est-ce qu'on lui mettra? On lui mettra. On lui mettra celle de. Voilà. On lui mettra peut-être celle de. Celle de. Comment ça? C'est l'armure mandalorienne car elle est aussi stylée. Donc là, vu qu'on a fait tout cet étage du vaisseau, on va prendre l'élévateur qu'on a trouvé tout à l'heure. Et on va y aller. Donc là, on peut voir. Ouh, quand j'y pense, un petit sauvegarde, ça fait longtemps. Je pense qu'on va se laisser quand même. On va aller tuer 2-3 personnages pour voir la puissance de notre team. Et on va. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est Kanderos, on est dans les bonnes Hawks. Mais. Donc là, c'est Kanderos qui nous dit on est devant les bonnes Hawks, il y a beaucoup de gardes, mais on va trouver un plan, ne vous inquiétez pas. On va réussir à choper les bonnes Hawks. Donc, où est-ce qu'on va aller au truc? On va aller
soit sur le pont, soit sur un hangar. Donc là, on est au cell block. On va aller sur le bridge. Donc c'est le seul endroit où on peut aller, je pense que vu le hangar, on ne peut pas encore y aller. Voilà, donc nous voici sur le pont. Avançons pour voir ce qui nous attend dans ce vaisseau gigantesque. Des gardes-cycles qui viennent de spawner devant nous. Et Kanderous, on va voir ce qu'il donne face à un mec comme ça, en lui lâchant. Ah, c'était un fail. Ah, il fait mal hein, quand même. Puis surtout, mais qu'est-ce qu'il est stylé comme ça, il fait soda républicain, mais. Pouf! Alors là, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Puisque c'est la fête, et que j'ai aucune contrainte comme quoi je dois arrêter parce que je suis chez moi tranquillo et c'est le matin, on va continuer. Et oui, je suis oulala, un capitaine site. Et on va leur mettre cher parce que là, c'est la fête, c'est la fête. On va l'étrangler. Ça, voilà, on l'étrangle. Ils nous mettent des grenades qui. Oh là là, ils font péter les grenades plasma et les grenades acryo. Hein. Ils sont fous ces sites. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout est ouvert ici? Oh là là, c'est bordel. Insanité. Voilà, on va laisser faire l'affaire. Voilà. Elle va même nous lâcher une petite guérison. Guérir. Regardez ce que ça fait, ça nous met des trucs. Et maintenant, si jamais on est empoisonné par des grenades empoisonnantes. Des grenades empoisonnantes, toi. Par des grenades, et bien ça nous désempoisonnera. Donc on peut voir que les soldats sont plutôt bons parce que tout à l'heure, je les ai vus, ils ont fait un tir. Un tir de. Un déluge de. Tir rapide de maître. Regardez comment ça a été joli ça. Avec les petits trucs là. C'est assez sympa, je dois dire. Allez hop. Donc là, on a une équipe de fous. Hein. Une équipe de fous. On les massacre. Les sites par sites, il pourrait y avoir une vague de sites. On les massacrerait tous. C'est une très très bonne équipe. Et je suis plutôt content de ça. Parce que là, je vous le dis, l'amiral Karak, là, qui nous a torturés, mais il va prendre cher. Hein. Je vous le dis, on va lui mettre cher. Parce que, d'une, c'est pas un site, donc il a aucune résistance, il a pas vraiment de résistance niveau des sorts. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, l'apprenti de Malak avait énormément de résistance aux sorts. Quand on visait des sorts, bah, il les prenait pas, genre insanité, étouffement, vague de force, foudre. Tous ces sorts-là, ça lui faisait aucun effet car il avait une bonne protection de force. Alors que l'amiral Karat, c'est un amiral, il a pas ça, alors on va lui mettre cher. Voilà, on va aller tout droit. Ah, un droïde. Alors, je vois qu'ils sont très nuls. J'ai fait une vague de force et ils sont tous morts. C'est la fête. On se fait plaisir. Voilà, on va choper tout ça. J'ai hâte d'être au combat final contre Malak parce que je pense qu'il y en a un. Je pense bien parce que quand même, j'ai pas fini le jeu. Je m'avance un petit peu, mais dans tous les jeux, il y a quand même... une baston finale avec le maître du jeu. Donc là, il faut bien qu'il y ait cette baston. Et puis, j'ai entendu dire qu'il y avait cette bataille. Donc, on va continuer sur la base. Par ici. Par là. Donc là, on est full point de vie, full force. Level 14. Est-ce qu'on passe bientôt un niveau? Dans 8000 d'XP. Ouais, c'est non pas si longtemps que ça. Hein. On va leur faire un petit foudre. Voilà. Mais ils se font plaisir sur le niveau des grenades. Hein. Elle est où, Bastia? Ah, elle est là. Je sais pas s'ils ont au niveau des grenades, surtout que ça nous fait pas vraiment de. Ah, si. Les grenades, elles font mal quand même. Et eux, ce qu'ils nous donnent, c'est des Sonic grenades. Hein. Ça c'est n'importe quoi. Ils nous mettent des grenades super efficaces. Et nous. C'était où là? Et nous, qu'est-ce qu'on récupère quand on les fouille? Génial! Une sonic grenade, donc des grenades qui font aucun effet pratiquement. Sauf qu'on les rencore, mais bon, les rencore, on risque pas d'en croiser. Je vous rappelle ou pas sur Taris, le rencore, une bête énorme dans l'épisode 4, je crois bien. Oulalala. Space suit, donc on va voir à quoi ça va nous servir. Je crois que je m'en rappelle. Alors, on chope ça. Y a rien ici.
C'est bizarre, on peut fouiller certains trucs. Ouh, trois détonateurs thermiques, je sais pas si vous avez vu ça. Ça va être marrant. À un moment, on pourra balancer nos grenades, je sais pas sur qui. Imaginez, on se fait malak à la grenade. Juste énorme. Malak à la grenade. Genre, on balance que des grenades et tout, des grenades qui. Vous savez qu'avant, quand j'étais nul et que j'étais petit, on va dire, et que j'avais découvert ce jeu, quand j'étais tombé contre Malak, contre Lord Malak, il était pas du tout aussi près que nous, c'était sur Korriban. Et au niveau de Korriban, on était dans une vallée. Oh merde. Et il était loin. Et du coup, je l'avais chopé à la grenade. C'était marrant. Je suis un peu enrhumé quand même. Alors, où est-ce qu'on va pouvoir aller? On va tester par là. C'est un vrai labyrinthe quand même ce vaisseau. Hein. Il y a des trucs partout. Ouh là 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 là! Des Sith. Enfin, des Jedi. Avec des sabres laser en quelque sorte. Des Dark Jedi Master. Ils ont tous la même tête quand même. C'est un peu ennuyant. Allez hop. Voilà. C'est aussi simple. Toi, on va te le refaire. Alors, on va essayer de tous les étouffer un par un. Ah non, lui, il a résisté. On va lui faire un petit champ de stase. Parce qu'il n'y a rien de mieux. Oulala, 450. Alors, toi, regardez. On va lui mettre cher à coup de Master. Truc de blaster. Qu'est-ce que je raconte? Lui, il a l'air de bien résister au pouvoir. On va lui faire un insanité. Ah non. Donc lui, il a l'air de lui mettre cher. Vous voyez, ça, c'était une grenade sonique. Vous avez pu voir. Ça nous a fait aucun effet. La grenade sonique ne fait strictement aucun effet, sauf sur les rencors. Donc c'est pour ça que c'est bien d'en avoir de temps en temps. Donc moi j'ai mon let's play, je pense qu'il va atteindre peut-être entre 30 et 40 épisodes, je pense, parce que le jeu est quand même long, il nous faut du temps pour le finir. Et qu'est-ce que je voulais dire? Mais déjà, franchement, vous pouvez vous estimer heureux en quelque sorte, parce que mon let's play est hyper rapide. Certaines quêtes secondaires, je les fais pas parce qu'elles nous apportent rien et elles nous prennent des heures. Comme sur Mana, Jolie avait un ami, il était en prison et on pouvait les aider. Je crois que c'est pas là qu'il faut aller. Non, c'est pas là. Et donc, il pouvait nous aider. On l'a pas fait parce que ça prenait énormément de temps et ça nous apportait pas grand chose. À part peut-être un point du côté lumineux, mais bon. Voilà, ça nous apportait pas vraiment grand chose. Donc, on l'a pas fait. Et du coup, il y en a, je vois, qui font des let's play. Ils sont rendus au même nombre d'épisodes que moi. Et ils sont en train d'attaquer Tatooine. Donc, voyez voir, moi j'ai fait quoi? J'ai fait Taris en 8 épisodes peut-être. Après j'ai fait Dantooine en quelques épisodes, Tatooine, Kashyyyk et Manaon. Il y en a à l'épisode 20, ils sont en train de finir Tatooine, ils ont fait que 3 planètes. Donc peut-être qu'ils font toutes les quêtes secondaires, mais on peut dire que moi je suis plutôt efficace. Donc si je ferai un let's play assez long, aussi mes épisodes sont, ça on peut le dire aussi, je pourrais très bien aussi faire un let's play beaucoup plus long. Avec un let's play beaucoup plus lent, en faisant toutes les quêtes et être. Alors, au moment où je vous parle, être rendu juste à Kashyyyk. Mais c'est pas ce que j'aimerais, surtout que moi, bah. C'est pas comme si je mettais 3 épisodes de mon let's play par semaine. Oulalalala, ça, c'est pas très bien ça. On va mettre un petit. Mais ils font plaisir sur les grenades. Hein. Enfin voilà, donc. Franchement, j'avance plutôt vite au niveau de mon let's play. Et donc, je pense le finir en une trentaine d'épisodes. Et pour vous dire, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup du tout. Pour ce jeu, car c'est un jeu qui est très long. Il ne donne que 35 000 XP et ils sont chiants à taper. Voilà, depuis quand j'ai fait le sort vitesse. Voilà, on chope tous les casiers. Et je pense quand même qu'on va s'arrêter quand même là, hein, franchement. Parce que là, ça fait vraiment longtemps. Longtemps que je tourne. Mais au niveau de la map, je fais un peu la carte un peu au hasard. Je fais un peu la base en passant par les portes que je vois un peu à l'arrache. Si je pense qu'il n'y a rien, j'ai déjà fait. Non, il n'y a rien. Petit soin amélioré. Ici. Y a rien. Je crois qu'on a plutôt bien avancé.
et qu'on n'a pas tardé à finir. Voilà, il nous reste à aller par là et par là. Vous allez voir ce que c'est. Enfin, non, vous allez pas voir ce que c'est parce qu'on attendra l'épisode d'après. Donc, je pense qu'à l'épisode 21, je finirai ça et on arrivera sur Corriban. Mais ne vous attendez pas à ce qu'on avance vraiment sur Corriban à l'épisode d'après. Hein. Parce qu'il faut aussi que j'avance aussi mon let's play sur Warcraft et tout. Donc, ça fait beaucoup à la fois. Donc, lui, il prend beaucoup de dégâts quand même. Hein, parce qu'il passe souvent devant, il n'a pas énormément de points de points de vie. Ah non, il en a le même nombre que Kars. Ah non, non, Kars en a beaucoup plus. Là, on vient de se choper, vous pouvez voir. Une grenade à poison. On était vert et maintenant je vous ai fait soin. Et nous passons. Eh ben, j'ai fini. J'ai fini le Léviathan. J'ai fini. Donc, on va se laisser sur le pont. Oh non, non, non. Non, je suis obligée là, non. Non, je peux pas vous laisser là. C'est trop tentant. Ah, je me sens obligée d'aller sur le pont. Ah bah non, de toute façon c'est loqué. Non mais c'est vrai, c'est pas possible, j'ai trop envie de continuer, c'est trop quoi. Après par contre le temps d'upload, bah... Allez, détruis-moi ça. Après le temps d'upload reste très long, donc déjà je vous mets pas en 1080p, vous pouvez laisser tomber. Donc là on arrive sur le pont, sur le bridge. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Donc là c'est pas vraiment le pont j'imagine, mais... Déjà, on chope tout ce qu'il y a là. Donc, j'ai l'épisode. Bon, bah, c'est pas grave. On va passer sur un épisode de 45 minutes. Uploadé en 1080p. Oh, 720p. Attendez, je suis pas fou non plus. Je suis pas aussi fou que ça. Donc, là, voilà. Nous sommes passés sur le. En fait, là, nous allons nous diriger vers le pont. Donc, nous sommes obligés de passer par là. Et donc là, vous pouvez voir que c'est magnifique. On est sur le vaisseau. Et là, on a l'espace devant nous. Avec des vaisseaux qui passent. Et là, on se dirige vers le pont. Donc là, on doit avoir une étoile. Ça doit être leur soleil à eux. Donc là, on se dirige vers le pont. Il y aura sans doute l'amiral Karat. Mais après, je serai complètement obligé. Je serai obligé d'arrêter. Donc là, vous pouvez voir que là, cette fois, on est en combinaison spatiale. Et qu'on avance aussi à 1 km/h. Et que c'est chiant. Que c'est ennuyant, c'est ennuyant. Est-ce que je passe bientôt un niveau? 6000 d'XP, ça avance pas trop. Ah, 438 d'XP, ça je préfère. On va bientôt passer un niveau. Allez, on avance, on avance. C'est le 100 mètres. Le 100 mètres en combinaison spatiale. Tu peux le faire. Alors. Là, c'est ouais, c'est vraiment un paysage plutôt sympa. On est dehors. C'est la fête et on arrive devant la porte et on va pouvoir mettre la misère à l'amiral Karat. Il va prendre cher, Karatin. Il a fait souffrir Karz et il va payer pour ça. Il va payer, moi je vous le dis. Parce que ce qu'il a fait, c'était vraiment mal. Il était avec la République et on a profité pour aller avec les Sith quand il en avait l'occasion. Il a massacré la famille de. Il a massacré la famille de. Ouh là 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 là. Il a massacré la famille de. Il a massacré. Qu'est-ce que. Il a massacré la famille de Kars. Donc il va payer pour ça, moi je vous le dis. Là, je me chante. Ah, c'est vrai ça. Le truc que j'oublie à chaque fois, c'est qu'une fois. Voilà. Une fois qu'on passe par là, on n'a plus nos armes. Ça, c'est une connerie que j'oublie à chaque fois. Car on va lui mettre son blaster. Parce qu'il fait énormément de dégâts avec. Et on va lui mettre. Vous avez mis quoi? Un manche d'Arglorien, heavy pistol. Et elle, comme d'habitude, son sabre laser. Son double sabre laser jaune. Qui fait des dégâts, mais. C'est pas énorme. Ouais, si, quand même. Ça fait des dégâts. Allez. Ah, il sort le médicap, lui. C'est un fil fou, je peux vous le dire. Ouais, si, quand même. Il fait énormément de dégâts, le déluge de coups amélioré. Hein. Merci pour le champ de stase. Allez. Let's make this quick. Allez, on se dépêche, s'il vous plaît. On se dépêche d'aller mettre la raclée à Karat. Mais je crois que le problème, c'est qu'il y a encore 2-3 trucs à faire et que c'est pas si rapide que ça. Bon, donc déjà, c'est pas par là. On sait que c'est pas par là.
Je pense que c'est par là. Non, en fait, je crois qu'il y a juste une allée tout droite et on y est. Et du coup, on va mettre point de BTS. Voilà, c'est ça en fait. Bridge, le pont. Alors là, on va se préparer. On va mettre un sauvegarde. Et là, 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 ça va être bien. L'amiral Karat avec son petit blaster de pédale. Ouh, je me suis cogné contre l'écran. Excusez-moi. Donc là, on entre. La porte se referme. Vous avez appris bien par moi, en quelque sorte, Didier Sackers. La seule chose qu'on m'avait appris, c'était la trahison et la mort. Donc là, il nous dit que Lord Malak est en son chemin. Donc là, il dit la vérité. Malak va vous tuer de toute façon. Je vous demande de baisser vos armes. Et Malak rate de la merci. Il dit les sites n'ont pas de merci. Donc là, il dit vous voulez mourir alors. Alors, on va commencer par un champ de stase. Ensuite, toi, tu vas nous mettre cher à eux deux. Non, plutôt. À lui-même, à l'amiral Karad, parce qu'on va le laisser se venger. Et elle va plutôt. Non, elle va faire un lancer de sabre laser amélioré. Vous allez voir ce que ça fait. Ah, sabre laser amélioré, il n'y a rien à dire. Hein. Ensuite, elle va partir pour les focus. Toi, tu vas te désengager et tu vas faire insanité. Voilà, vous pouvez voir que. Il n'y a aucune résistance. Donc on va commencer par focuser les petits Jedi là à côté. Non, ça j'avais demandé de focus l'amiral Karat. Donc il y a déjà mis un petit peu de dégâts. Elle va nous faire un guérison. Et on va faire un foudre. Force wave. Ah, j'avais oublié celui-là, il est très efficace. On va le refaire une deuxième fois parce qu'en plus ça étourdit les gens. C'est très efficace comme ça. Oh merde, je suis empoisonné. On va faire guérir pour que je sois plus empoisonné parce que j'avance cette douleur. Allez, heal. Voilà, donc maintenant que je suis plus empoisonné. Oups. Voilà. On va aller vers. Ah bah il est déjà mort l'amiral Karas. Il est nul, vous l'avez dit, il est nul. Il est déjà mort, il est en train de souffrir par terre. On va aller finir ces deux-là, qui nous ont fait chier par derrière. Alors je vous avais dit, j'avais hâte de lui mettre la misère à cet amiral Karat. Il n'était pas très bien protégé. Hein. Il aurait dû prendre une garde supérieure. Parce que... Donc là, vous pouvez voir, c'est ici qu'on a vu tous nos cinématiques avec, avec l'amiral Karat et Lord Malak. La Kars. L'amiral, il est encore vivant. Il est temps de finir. Non, Kars, ne vous vengez pas comme ça. Enfin, faut pas se venger comme les Sith et tout. Vous n'avez pas compris tout ce qu'il a fait sur ma vie. Le tuer ne va pas soulager votre peine. Kars, je dois vraiment vous dire quelque chose. Venez plus près. Donc là, il parle à Kars. Donc Kars arrive avec le swag. Là il dit des trucs, hein, il whisper et là on entend « Vous ne savez pas, hein ?» Et il se marre. Donc là il a dit des trucs. Rappelez-vous mes mots quand je suis mort. Rappelez-vous les mots que je vous ai dit quand je mourrai, quand vous parlez à ceux que vous pensiez étaient vos amis. Il a dit « Ça ne peut pas être vrai. » Qu'est-ce qu'il a dit, Kars? Bah, si là, c'est vrai ce qu'il a dit, et vous le savez. Non, Kars, ce n'est pas ce que vous pensez. Oui, vous n'avez pas d'autre choix. S'il vous plaît, vous devez comprendre. Alors, faites-moi comprendre. Qu'est-ce que vous parlez? Qu'est-ce qui se passe? Non, Kars, s'il te plaît, j'ai un gentil malade qui arrive. S'il vous plaît, Kars, je vous demande de me croire. Elle a raison, Kars. Ce n'est pas le temps. Mais quand on s'en va du vaisseau, je demande des réponses. Bien sûr, Kars. Allez. Dès qu'on sera à l'Ebon Hawk, eh bien, on pourra parler. Donc nous, on se demande vraiment ce qui se passe, parce que là,
L'autre, il a dit quelque chose, nous on n'a pas compris. Lord Malak, il a dit quelque chose et tout. L'amiral Karras avait l'air de dire quelque chose à Kars. Kars était. Et puis Kars, il était vraiment. Il était non, c'est pas possible et tout. Donc il se passe quelque chose qu'on ne sait pas. Et on va se laisser ici, en fouillant les restes des gens, devant cette vue magnifique de l'espace dans notre vaisseau. Regardez ça. Enfin, dans notre vaisseau. Voilà, là on a le bout du vaisseau avec tous les panneaux de contrôle et tout. Ici, c'est vraiment magnifique. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez un problème? Voulez-vous fighter? Eux, je sens qu'ils cherchent la merde. C'est des grenadiers, donc si je me souviens bien, leur atout à eux, c'est qu'ils donnent énormément d'XP. Ah non. En tout cas, ils sont très nuls. Ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont très nuls. J'espère vraiment que vous avez apprécié ce très 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 long épisode. Moi aussi, j'ai vraiment apprécié. J'apprécie de plus en plus de faire ce let's play, vraiment, je kiffe. Regardez-nous là. Notre team, tous les trois. Au bord du vaisseau de Sith, des Sith de l'amiral Karras. C'est vraiment magnifique. Donc j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez surtout pas à lâcher un pouce vert, un commentaire et surtout à vous abonner, ça fait plaisir. Je vois qu'on avance, on est bientôt 62 sur la chaîne, ça fait vraiment vraiment plaisir. Et donc on se retrouve pour une vidéo et sur cette vue magnifique. Ciao tout le monde!